Aujourd'hui, inshallah, nous allons aborder un sujet très très intéressant et qui est le sens des maladies. Mais tout d'abord, pourquoi les maladies soulèvent notre intérêt? Quels sont les rôles, les fonctions, sens et intentions de tous leurs symptômes? Comment les surmonter? Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de votre santé physique et également émotionnelle. Vous savez, lorsque vous ne vous sentez pas bien et que vous n'êtes pas en bonne santé et que vous êtes malade, que votre système immunitaire est faible et que vous avez plein de petits maux ou éventuellement vous êtes atteint d'une maladie grave, eh bien, il est très important de comprendre que vos pensées peuvent vous influencer et vous affecter. Sachez que nos pensées influencent profondément nos symptômes physiques et notre mal-être corporel. C'est pourquoi les gens tristes sont plus souvent malades que les gens heureux. Si vous administrez une petite dose de poison à un amoureux transi, eh bien, il ne se rendra même pas compte. Par contre, si vous donnez une plus petite dose de ce même poison à une personne seule, malheureuse ou stressée, elle tombera malade. Nos pensées influencent nos symptômes et notre corps. Et c'est en réalité vraiment une excellente nouvelle parce que il est beaucoup plus rapide de changer nos pensées que notre corps. J'ai découvert que beaucoup de gens souffraient de maladies chroniques et ils guérissaient. Par exemple, ils guérissaient leur anxiété, mais par la suite, ils souffraient de crises de panique. Ils se débarrassaient de leur tic nerveux, mais derrière, ils se mettaient à bégayer. En fait, la raison étant que aucun d'entre eux ne s'attaquait au vrai problème. Si votre maladie a un rôle, une fonction, un sens et une intention, eh bien, votre devoir est de les découvrir et de rectifier vos pensées. Ce faisant, tout sera rectifié. Il y avait un petit enfant qui avait énormément d'eczéma et à ce petit, on lui a dit « Chérie, ça peut paraître idiot, mais si cet eczéma pouvait être ton ami, alors imagine que ça soit ton ami et qu'il veuille t'aider. Alors, de quelle manière il peut le faire ?» Cet enfant l'a répondu du tac au tac et il a dit « Chaque soir, je me mets comme ça. » Et maman applique des compresses humides et de la crème sur mon corps. Pendant qu'elle me soigne, elle n'est pas occupée à mettre de la crème sur l'autre bébé. En fait, ce petit, à chaque fois qu'il voyait sa mère masser son petit frère, il réclamait de la crème à sa mère, mais sa mère lui refusait. Elle lui disait, ne sois pas bête, tu n'es plus un bébé. Elle lui disait « Maman, mets-moi de la crème », mais à chaque fois, elle répondait « Non, c'est pour le bébé ». Cet enfant, elle voulait juste que sa mère lui mette de la crème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a fait une poussée d'eczéma et sa mère lui en a mis beaucoup. Il y avait aussi un enfant qui souffrait de migraines vraiment insupportables, ce qui est vraiment très très rare chez des enfants. On a posé à cet enfant la même question. Il m'a dit « Chérie, ça peut paraître idiot, mais jouons à un jeu. Si ton mal de tête était ton ami et qu'il voulait t'aider, comment le ferait-il » Cet enfant, il a répondu immédiatement « Quand maman et papa se disputent, j'ai très mal à la tête. » Voyez? Alors, on éteint toutes les lumières, je m'allonge dans le noir et personne ne fait de bruit et là, la migraine s'en va. Il ne faut pas être un génie hein, pour imaginer qu'un enfant, entendant ses parents se disputer, veuille qu'ils arrêtent et ne se crient plus dessus. Il va alors se demander comment faire. C'est un ordre direct adressé à l'esprit. Je veux qu'ils arrêtent de crier. Un enfant de 5 ans ne peut pas dire ton comportement est tellement déraisonnable, ce qui provoque un traumatisme chez moi, non, mais le corps le peut. Et souffrait donc de terribles migraines, ce petit garçon, et quand ça arrivait, ses parents
cesser de se disputer. Il s'agit ici d'enfants, mais on le voit souvent hein, chez des adultes. Il y avait un homme qui faisait beaucoup d'allergies. Il était allergique aux pommes, il était allergique au pollen, à la pastèque. Et en fait, un jour, il a dit vraiment quelque chose de très très intéressant. Il a dit « J'ai grandi avec ma mère, ma tante et ma grand-mère. Je ne voyais presque jamais mon père. Et un jour, quand son père lui a rendu visite et l'a emmené déjeuner, il lui a dit « Ferme les fenêtres, je suis allergique au pollen. » Et dans le restaurant, le père lui a dit qu'il ne pouvait pas manger des pommes parce que ça gonflait dans sa bouche. Devinez ce qui s'est passé? Eh bien, en rentrant à la maison, quand il a croqué dans une pomme, eh bien, sa bouche a commencé à gonfler. Et juste avant que cela se passe, ce monsieur il s'est dit « J'aimerais être comme mon père. J'aimerais tellement être comme lui pour qu'il voit à quel point nous nous ressemblons. » Et comme ça, il passerait peut-être plus de temps avec lui. Ce monsieur a dit « Je vis avec trois femmes, mais je veux être avec mon père. » Il n'a jamais compris cette connexion qu'il y a entre son esprit et son corps. Il a dit simplement à son esprit qu'il voulait être comme son père. Donc, il a manifesté les mêmes énergies que lui. Par également l'exemple d'une autre femme, qui voulait faire une FIV alors qu'elle n'avait plus ses règles. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle prenait des médicaments pour stimuler ses ovaires, mais rien ne fonctionnait malheureusement. Lors d'une séance d'hypnothérapie, elle a dit « Je me souviens quand j'ai eu mes premières règles, j'ai trouvé ça très dégoûtant. J'étais si horrifiée que j'aurais préféré ne pas les avoir. » Les crampes, elle disait, étaient horribles. C'était un dimanche, ses tantes étaient venues la voir, mais elle est restée au lit et elle s'est dit « Je déteste ça, je ne souhaiterais plus jamais les avoir. » Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont disparu. Et après ça, donc à chaque fois qu'elle passait dans le rayon hygiénique, elle était heureuse parce qu'elle n'avait plus besoin de les utiliser. À l'époque, elle pensait que c'était vraiment la meilleure chose qu'elle puisse lui arriver. Mais maintenant qu'elle voulait avoir des enfants, elle voulait que ça revienne. Mais ça marche pas. Donc, faites attention à ce que vous dites à votre esprit. Vos maladies, elles ont un rôle, une fonction, un sens et une intention. Ils ont une mission qui est très très importante. Continuons toujours les exemples. Il y avait une femme qui souffrait de terribles migraines et elle devait se faire des injections tous les jours pour calmer la douleur. Cette femme a raconté que son père a toujours attendu beaucoup d'elle. Elle disait, son père lui disait « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne veux pas être comme moi? Regarde mon succès. » Tu es ma fille, alors pourquoi n'es-tu pas aussi intelligente que moi? Elle en parlait même de ça à ses amis. Elle disait tout le temps, je ne sais pas ce qui ne va pas chez ma fille, j'ai dépensé une fortune pour ses études, mais elle gâche sa vie. Et à partir du moment où elle a commencé à souffrir de migraines, elle a dit, la pauvre, elle pourrait être aussi intelligente que moi et avoir mon succès, mais elle a des migraines. En fait, c'était un moyen d'échapper à la pression, une excuse pour dire j'ai le droit de ne pas réussir. Et d'ailleurs, même l'obésité et le surpoids, elles ont un rôle, une fonction, un sens et une intention. Ils ont une mission pour vous. Et tant que vous n'identifiez pas cette mission, que vous ne la résolvez pas, eh bien, ça reviendra à chaque fois. Donc, en attendant cela, il est vraiment inutile de traiter vos allergies et vos problèmes. Il est inutile de traiter vos douleurs et vos maux. Et souvenez-vous de ce que ce médecin urgentiste a dit, 70% des patients souffrent de symptômes réels, mais dans la cause se trouve dans leur esprit. Ce que vous allez donc apprendre aujourd'hui est vraiment très très important. Vous devez donc comprendre que si vous avez une maladie,
un problème, un symptôme ou un système immunitaire affaibli, une prédisposition à la maladie, aux allergies, aux envies incontrôlables de malbouffe, un manque de confiance en vous, eh bien, comprenez que tous ces problèmes ont un rôle, une fonction, un sens et une intention et une mission, même si je me répète, mais sachez que leur mission est de faire quelque chose pour vous. Donc, découvrir ce que c'est change tout pour vous. Si vous ne le faites pas, vos symptômes réapparaîtront sans cesse car votre esprit et votre corps les croiront nécessaires. Donc, commençons votre exercice du jour et identifiez le rôle, la fonction, le sens et l'intention de votre maladie. En les identifiant, vous pourrez vous en débarrasser car la compréhension, c'est le pouvoir. C'est une compétence phénoménale quand on sait s'en servir. Donc, ouvrez votre cahier d'exercice et pensez à tous vos symptômes, d'accord? Vous avez peut-être souvent des rhumes ou vous vous sentez épuisé en permanence. Vous avez peut-être un estomac sensible, des maux de ventre. Vous avez peut-être des problèmes digestifs ou beaucoup de maux de tête, tout simplement. Vous sentez peut-être sinon triste, déprimé, découragé ou abattu. Vous avez peut-être 10 ou 45 kilos en trop et que vous n'arrivez pas à perdre malgré vos efforts. Supposons que vous vous appeliez par exemple Fatima ou Marie, eh bien, je veux que vous écriviez dans votre cahier « Je suis le mal de tête de Maria et maintenant que j'ai une voix, eh bien, je peux vous dire que ma mission est terminée. » La phrase par la première réponse qui vous vient à l'esprit, d'accord? Je suis, par exemple, la dépression de Mohamed, et maintenant que j'ai une voix, je peux vous dire que ma mission, à travers la dépression de Mohamed ou de François, par exemple, est, écrivez-le exactement comme ça. Terminez la phrase par la première chose qui vous vient à l'esprit. Essayez ensuite de répondre automatiquement jusqu'à ce que vous arriviez à « Ma mission est de le protéger car ça sera toujours de vous protéger ou de vous punir. » Vous pouvez ensuite ajouter ce qui protège François ou Mohamed et continuer la phrase. Vous pouvez ensuite ajouter ce qui protège Mohamed de... Et continuer la phrase, ou bien je dois protéger Maria du sentiment de rejet, par exemple, parce que voilà, et vous répétez ainsi le processus. Je suis par exemple, voilà, le mal de tête de Maria, et mon intention et ma raison d'être est, etc. Donc cela peut vraiment sembler fastidieux, mais c'est vraiment très très révélateur, parce que supposons que vous répondez par exemple, pour la protéger, eh bien, maintenant, vous devez savoir de quoi cela vous protège. Peut-être d'une intention non sollicitée, peut-être de personnes qui vous harcèlent, peut-être la peur de faire une erreur. Donc, pour l'instant, il suffit de mémoriser les informations récoltées. Ne les analysez pas encore. Rassemblez-les seulement et mettez-les de côté. D'accord? Quand vous aurez fini, relisez toutes ces informations pour découvrir que vous avez besoin de ces migraines pour attirer l'attention quand vous avez Satan. Vous avez besoin de ressentir cette souffrance pour être remarqué, parce que généralement, quand on est petit, quand on a mal, nous recevons de l'attention de la part de nos parents et des autres. C'est vraiment un moyen si efficace que nous avons tous gardé. Vous pouvez faire donc une analyse introspective et vous rendre compte que vous en avez besoin à cet âge. En vous emmenant par exemple chez l'allergologue, vous avez une crème adéquate, vous suivez peut-être un régime alimentaire spécifique. En fait, cela vous donne le sentiment d'être spécial.
Exemple, votre mère vous préparait des plats particuliers, ce qui vous donnait le sentiment d'appartenance. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus 7 ans, vous avez 32 ans. Vous n'avez pas besoin de ces symptômes. Vous êtes indépendante. Donc, essayez de parler à vos symptômes, même si ça peut vous sembler fou, alors qu'on le fait toujours, hein, on se dit toujours, est-ce que j'ai pris mon argent pour le transport? Est-ce que j'ai éteint la lumière? Est-ce que j'ai pris mon portable? Donc, adressez-vous à vos symptômes, découvrez leur rôle et leur sens, découvrez comment, pourquoi et quand ça a commencé, et réalisez surtout que vous n'en avez plus besoin. Vous les avez créés et cela montre à quel point vous êtes puissant. Vous pouvez donc aussi les arrêter quand vous voulez. Quand la jeune femme qui n'avait plus ses règles a fait la thérapie, on ne lui a pas dit vous êtes stupide d'avoir fait ça, mais au contraire, on lui a dit waouh, vous êtes vraiment forte. Vous avez arrêté vos règles à 12 ans et toute seule, c'est vraiment stupéfiant. Maintenant, il vous reste qu'à les faire revenir. Et elle l'a fait. Elle est tombée enceinte en un mois. Et aujourd'hui, elle a deux magnifiques enfants. Donc, ne vous reprochez pas vos erreurs passées et utilisez plutôt votre capacité à dialoguer avec vous-même pour obtenir des résultats. Faites-le bien comme il faut et vous jouirez, Inch'Allah, d'une santé radieuse, sensationnelle et phénoménale, croyez-moi. Continuez avec votre cahier d'exercice jusqu'à ce que vous trouviez des réponses. Connectez-vous ensuite à notre communauté et posez la question, qui a eu des migraines avant de réaliser que c'est que pour attirer l'attention? Qui ici a eu des problèmes de peau dans le but de se faire remarquer, par exemple? Qui ici a eu des difficultés scolaires au point d'être diagnostiqué avec un déficit d'attention et de l'hyperactivité, alors que il suffisait de l'affection et du temps. Donc, communiquez, libérez-vous de vos problèmes, aidez les autres à s'en libérer et ayez une meilleure vie.